Israël était dominé par un peuple qu'on appelait les Philistins. Lorsque Dieu va susciter une forme de sauveur, Samson. Et Dieu va établir une alliance particulière avec ce serviteur de Dieu. Depuis le ventre de sa mère, Samson va être loin. Dieu va le choisir, tu vas porter les regards sur lui. Et Dieu va lui donner un signe d'alliance. Il ne veut pas couper ses cheveux. Il était une forme de Nazirien. Il ne veut pas toucher les cadavres. Et Dieu va donner à Samson une force hors du commun. C'est le gars qui déchire un lion en deux, qui frappe une armée de près de 1000 soldats, traumatise les gens avec une mâchoire d'âne. Il défait une armée. Il était terrible. Mais dans sa vie, il y avait une faiblesse. Les femmes. Au lieu d'écouter ses parents qui lui disaient de faire attention, d'être prudent, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Les gens ayant constaté sa faiblesse, ils lui ont envoyé vraiment presque une sorcière, une Delila. Et souvent vous voyez, lorsque Dieu vous a choisi, il faut savoir que Satan, lorsqu'il ne sait pas par quel chemin vous arrêtez, il vous envoie des Delila. Pour des femmes, ce sont souvent des hommes. Ouais. Des hommes qui savent vous parler, des hommes qui savent vous prendre. Tout le monde a besoin d'affection, quelle que soit ta force, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton intelligence. Il arrive de trouver un homme ou une femme qui s'est aimé, quelquefois tu perds tes moyens. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Il faut faire très attention aux Delila. Je ne sais pas comment on va appeler les Delila. Oh, on va les appeler comment? On va les appeler Delila AB, on fait AB, Deli B. Si Satan envoie un Deli B contre toi, oui, ça arrive, j'ai vu des soeurs remplis de la grâce de Dieu, être brisés, voir leur vie chrétienne détruite par des délibés. Détruite. Satan a peur de toi. Et il trouve quelqu'un, quelquefois, des agents du diable dans l'église. J'ai vu des femmes tomber sur des soi-disant pasteurs, prophètes, parce qu'ils étaient remplis de la grâce de Dieu. La faveur de Dieu était dans leur vie. Des délibés. Un homme de délit, un délit. Des délits là pour commettre des délits. L'histoire de Samson, c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Et depuis le début de ma vie chrétienne, l'Esprit m'a dit, mon fils, méfie-toi, sois trop prudent. Et je dis souvent à tout le monde, ne joue pas au Superman, ne joue pas à Wonder Woman. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es pas exempt. Il faut faire attention, il faut être prudent. Il faut prendre des mesures. Parce que c'est souvent des pertes de temps. C'est souvent des retards de destinée. C'est souvent de la grande confusion. Tu rates un mariage. C'est compliqué. Tu tombes dans les chaînes d'une femme. C'est compliqué. Je ne sais pas jusqu'à où Satan a pu t'amener. Mais ce soir, l'Esprit m'a dit de relâcher des paroles de bénédiction. Il y en a d'autres, c'est peut-être pas la vie spirituelle qui a été délilaïsée ou délilabisée. C'est peut-être la vie financière, la vie sociale, la vie, peu importe le domaine. Il y en a d'autres, Dieu devait les bénir financièrement. Leur délit là ou leur délit B, ça a été des faux partenaires avec lesquels ils ont tissé des liens et qui sont rentrés dans leur vie sociale et financière. Même si leur vie spirituelle continue à être maintenue, tout semble brisé à ce niveau. Mais je viens relâcher, pas expliquer, une bénédiction divine. La bénédiction du cependant. La bénédiction ne s'explique pas. Ça s'appelle juste la grâce de Dieu. Ça s'appelle juste un secours surnaturel. Quelque chose qui arrive de manière surnaturelle et qui vient décanter une situation. Alléluia. Au verset 22, il est dit, cependant, amen, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors si on a dit cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître, en fait je vois dans cette épisode comme s'il y avait une pause, comme si peut-être Dieu me mettait fâché avec lui, donc les cheveux avaient arrêté de croître. On savait que les cheveux avaient été coupés, mais pas qu'ils avaient arrêté de croître. Parce que quand tu coupes les cheveux, ça continue de croître. Lorsqu'on coupe les cheveux, ils sont raccourcis, mais le lendemain même il y a des pousses qui apparaissent, le surlendemain un peu plus. Mais c'est comme si cette phrase-là veut dire que Dieu me mettait un peu déçu. Donc, les cheveux même ne croissaient plus. Alors, tellement les cheveux ne croissaient plus, les Philistins
n'ont plus observé sa chevelure. Ils se sont dit, oh, ça fait plusieurs mois qu'il est ici. Ses cheveux même ne poussent même plus, il est devenu chauve. Cependant, ça veut dire que Dieu l'a regardé dans sa miséricorde. Et puis le signe de l'alliance, Dieu a commencé à faire démarrer quelque chose. Et les hommes autour ne se sont pas rendus compte. Ne se sont pas rendus compte. Même dans la détresse, même dans l'abandon. Même... Amen. La bénédiction que tu vas recevoir aujourd'hui va commencer à te montrer ce que Dieu n'a pas cessé de faire dans ta vie. Malgré tes erreurs, malgré ton péché, malgré ton manquement, Satan pense qu'il t'a coincé de tous les côtés. Mais cependant, il y a une chose qui échappe à tes ennemis. Il y a un petit truc qui leur a échappé et que Dieu va continuer de faire croître. La bénédiction que je vais relâcher aujourd'hui va conduire ton attention et ton regard vers la chose que Dieu a continué de faire croître, que les autres ne voient pas. Il y a toujours quelque chose que Dieu continue de faire croître. Tes finances peuvent être bloquées, mais il y a quelque chose qui passe inaperçu que Dieu continue de faire croître. Tu peux ne plus arriver à gêner comme tu gênais hier, mais malgré cela, il y a toujours quelque chose dans ta vie qu'on n'arrive pas à tuer, qu'on n'arrive pas à arrêter, qui continue de croître. La Bible dit cependant, ses cheveux continuent de croître. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent tes cheveux qui continuent de croître. Je ne sais pas qu'est-ce qui va continuer de croître, mais il existe quelque chose dans ta vie que l'ennemi n'a pas encore arrêté, que Dieu a gardé en secret, que quelque chose qui va continuer de croître, quelque chose qu'on n'a pas pu arrêter. On a pu te prendre tes finances, on a pu te bloquer beaucoup de choses, mais le Dieu que tu invoques, il est un cependant. On ne dit pas cependant la musculation de Samson est en train de revenir. On n'a pas dit que cependant Samson avait repris ses entraînements physiques. Cependant, ses cheveux recommençaient. Parce qu'ils s'étaient arrêtés, recommencèrent à pousser. Alléluia. 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 La bénédiction qui amène les cheveux à recommencer à croître ou à pousser. Croître, le mot croître, c'est un peu le même mot qui est lié à la bénédiction de la multiplication. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose dans ta vie que Dieu continue de faire, de multiplier. Et c'est à partir de cette chose-là que Dieu va décanter la situation. La bénédiction que je vais relâcher ou que je suis en train de relâcher pendant que j'exhorte, pendant que je prêche, pendant que je parle, cette bénédiction-là va attirer ton attention cette nuit, avant la fin de la semaine, sur ce que Dieu n'a pas arrêté de faire croître. Alléluia. Je sais que ton regard est tellement posé sur tes finances qui sont bloquées. Ton regard est tellement posé sur ce foyer-là qui n'a plus de sens. Tu ne sais plus quoi. Mais l'Esprit du Seigneur, par le message que je donne, veut que tu regardes quelque part. Il va te dire, Satan pense t'avoir coincé. Mais regarde ma fille, ici là, ton alliance entre toi et moi, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas laissé. La chose va continuer de croître. L'ennemi pense t'avoir bloqué, cependant. Alléluia. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tue vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu, lieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. C'est vrai que Satan pense t'avoir bloqué, que tu es aujourd'hui une vieille maman fatiguée, que ta vie est finie. Mais les dégâts que tu vas causer dans les camps de l'ennemi, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de tes jours, seront encore plus nombreux que ce que tu as fait dans le passé. Ce que Dieu montre, c'est que quand le Dieu du cependant agit, il y a un rattrapage extraordinaire qui se met en place. Lorsque le Dieu du cependant se met à intervenir, il y a un rattrapage, quelque chose d'impressionnant qui se rattrape. Alléluia. En très peu de temps, en très peu de temps, je déclare sur ta vie ce que tu pensais avoir perdu. En très peu de temps, en très peu de temps, en très peu de temps, en très peu de temps. Toutes ces choses n'obéissent pas à la logique de la loi, des règles humaines, mais ça obéit simplement à la grâce et à la faveur de Dieu. À la grâce et à la faveur de Dieu. Ce Dieu du cependant qui continue de faire croître. En si peu de temps, Samson a fait plus de mal aux Philistins qu'il en a fait pendant toute sa vie. Ces hommes-là s'étaient réunis pour faire la fête d'avoir tenu leur ennemi. Mais ils ne savaient pas que leur plus grande défaite allait être ce jour-là où ils étaient en train de célébrer leur victoire. Leur plus grande défaite.
dans toutes les guerres que Samson était en train de livrer, jamais il n'avait tué des princes. Je ne sais pas si vous comprenez. Les princes, ça veut dire qu'on parle des princes ici, vous parlez des princes des ténèbres, des œuvres satanistes, de tous ces sorciers-là qui ont planifié la destruction de cet homme. Jusqu'à présent, les seules guerres de Saül, ça a été de se battre contre la population, contre des soldats, mais pas contre les princes. Satan pensait qu'il l'avait lié, mais Dieu a retourné cette situation de manière glorieuse. Il a mis dans leur esprit des idées. Ils se sont retrouvés, tous ces princes des ténèbres, dans un même endroit. Jamais il aurait pu imaginer rencontrer. Si un champ de bataille, même si tu as tué le prince, c'est un seul prince, tous les princes dans une même bataille, tu vas les avoir. C'est pratiquement impossible. Un peu comme si Dieu avait saisi même des erreurs de Samson. Pour qu'un jour, il se retrouve au moment où tous les princes étaient réunis afin de détruire l'armée. C'est-à-dire la vision. Samson est né pour ça. Son ministère, c'est la vision. Donc, ne voyez pas que Samson est mort. C'est comme Samson n'est pas mort en fait. Parce que sa mission, c'était de détruire ce royaume. Dieu a renversé la situation. Tu vois, plus le diable pense qu'il t'a vaincu, qu'il t'a enterré, que tu n'as plus de force, Dieu a toujours. Imaginez, juste des cheveux qui poussent, c'était suffisant pour que Dieu renverse la situation. Juste des cheveux qui ont recommencé à croître. Quelquefois, l'ennemi pense qu'il a gagné, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce soir, la grâce qui est sur ma vie, c'est la grâce du Dieu du cependant. Je prophétise à quelqu'un cependant. Devant Dieu, le voisin, cependant. Cependant. Alléluia. Alléluia. Les jours qui viennent devant toi seront plus glorieux que tout ce que tu as connu dans le passé. Dans le nom de Jésus. À cause du cependant. Là où l'ennemi pense qu'il t'a lié, limité, fatigué, que tu es vaincu. Là où on t'a classé dans les has-been. Dans les gens. Et tu te souviens, il semblerait qu'il y avait un certain héros. Tu te souviens de cette dame-là. Avant, elle était jolie. Avant, elle faisait ceci. Tu te souviens. Ils n'ont aucune idée que ce que Dieu va faire maintenant. Ça sera tellement impressionnant qu'on ne se souviendra plus de tes anciennes victoires. On se souviendra de tes dernières victoires. Car tes dernières victoires vont surclasser de très loin tes défaites et tes victoires du passé. Après cette histoire, Samson était nommé comme celui qui a exterminé tous les princes de la Philistie. Jamais un soldat, jamais même les juges qui étaient restés droits, qui n'avaient pas faibli, jamais aucun n'avait pu exterminer tous les rois d'un pays le même jour. Jamais. Ça montre ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Comment Dieu s'est venu prendre les gens dans le rejet, et puis les laver, les sortir, et puis dire, bon, de la manière dont ils t'ont enfoncé, je vais te laver, je vais te faire sortir, je vais t'essuyer, et puis tout ce qu'ils ont planifié, je vais renverser. Ils vont regretter de t'avoir même mis en prison. Quelqu'un dit avec moi cependant. Comment cela va se faire? Est-ce que c'est une clé? Non, c'est juste sa miséricorde. Juste qu'il se souvient. Juste qu'il décide. Ah, il est le Dieu qui fait sortir. Il n'a pas apprécié ce que Samson a fait. Il n'a pas apprécié qu'il ait désobéi. Mais lorsqu'on s'est humilié, et lorsqu'on s'est crié à lui, Samson a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Il dit encore une fois. Et le ciel s'est ouvert. Et Dieu a fait ce que toute sa vie n'avait pas pu faire jusqu'à présent. La miséricorde de Dieu. Je vois la miséricorde. Non pas qu'il faut exalter le péché. Je vois la miséricorde quand je regarde la généalogie de Jésus. Je vois la miséricorde de Dieu. Quand vous regardez les aïeuls de Jésus, vous voyez des vaillants héros, mais il y a des gens qui se sont illustrés souvent négativement dans l'histoire.
Mais à chacune de ces personnes, il y a eu à un moment donné la demande d'un pardon et d'une miséricorde. Et Dieu leur a fait grâce. Dieu est plein de miséricorde. Le Dieu du cependant, c'est le Dieu de la miséricorde. Qu'il se lève sur ta vie. Qu'il se lève sur ta vie. Des situations étranges vont se passer en 2021. Le Dieu du cependant va opérer de manière surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors tu vas te tenir debout. Amen. Et comme Samson, tu vas dire à Dieu, papa, tu n'as pas encore dit ton dernier mot avec moi. Ma vie continue. Et je sais que des choses meilleures que tout ce que j'ai connu, plus grand que mes défaites, que mes erreurs, que mes manquements, que mes victoires même, est encore devant moi. Élève la voix, approche-toi de ton Dieu. Nous t'appelons Dieu du cependant. Quand l'ennemi semble avoir gagné, quand les circonstances ne révèlent aucune issue, tu es le Dieu du cependant. Cependant, Seigneur, quelque chose a continué de croître. Cependant, ô Dieu, tu as encore de l'espoir. Cependant, ton bras puissant est encore vers nous. Cependant, ta miséricorde va parler encore. Cependant, ce que l'ennemi a pensé gagner va être renversé. Et cependant, il connaîtra sa plus grande défaite. Quand il pense avoir eu sa plus haute victoire, cependant la situation est renversée, la plus haute et grande défaite apparaît. Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute grâce, aie compassion de ton peuple que nous sommes. Aie compassion de ton peuple que nous sommes, Dieu de toute miséricorde. La Katarianda Baba Sherebaralazé. Cependant, tu te souviens encore de nous. Cependant, tu tends ton bras puissant. Cependant, cependant, Jésus. Raïde Sere Mara la Glorianda Bradase. Roda Bradaso Romara la Clarianda Bradasa. Raïde Glorianda Bradaso Romara la Clarianda Bradase Rebara la Brad. Alléluia. Et la bénédiction qui est relâchée. La Bible dit que l'élément déclencheur a été le fait que les cheveux de Samson ont recommencé à croître. On peut ne pas remarquer, vous savez, lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on est en prison, on peut ne pas prêter attention à la croissance de ses cheveux, à certains éléments, parce que ce n'est plus notre priorité. On peut se dire peut-être que tellement Dieu est fâché contre nous, et puis en fait, on n'y prête plus attention. Et comme je te disais, l'expression donc « recommencer à pousser » cache quelque part le fait que les cheveux ne poussaient plus pendant un moment. Les cheveux avaient arrêté de pousser. Ils avaient arrêté de pousser. Et la Bible dit, ils recommençaient à pousser. Ça veut dire que pendant que tout semblait bloqué, tout semblait à l'arrêt, Dieu va commencer à faire bouger quelque chose. Mais la chose qu'il commence à faire bouger peut sembler insignifiante. De sorte que beaucoup de personnes, lorsque Dieu commence à opérer, l'élément par lequel il va te sortir du trou, l'élément par lequel il va renverser la situation, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ce que Dieu va faire pour renverser la situation. Ce Dieu du cependant, il ne prête pas attention. Je vous ai dit que ce que j'appelle Dieu du cependant est rattaché à la bénédiction de la multiplication. Quand on dit que les cheveux ont commencé à croître, ça parle de multiplication. Le mot croissance, multiplication vont ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les choses qui vont ensemble. Donc ce que je te dis, ça fait partie de cette bénédiction. Quand Dieu dit à Adam et Ève, Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez. Ça veut dire croissez. Ça veut dire développez-vous. Lorsque Jésus a voulu renverser la situation d'un groupe de personnes qui étaient avec lui, qui étaient affamées, Jésus a utilisé la faveur de la multiplication. Mais la grâce a permis aux disciples de reconnaître qu'il y avait, il n'y avait pas à manger, mais il y avait quand même 5 pains et 2 poissons au milieu de cette grande foule. Alléluia. Souvent on ne voit pas les 5 pains, les petits cheveux qui ont commencé à repousser. Parce que c'est à partir de ces petits cheveux. Samson a fait la prière parce qu'il a vu que ses cheveux avaient repoussé. Amen. Il savait que la victoire n'était pas ses cheveux, que la victoire venait de Dieu. Parce qu'il n'a pas dit, mes cheveux ont poussé, donc je peux casser. Il a dit, il s'est rendu compte, il a dit, Dieu, utilise-moi encore, fais-moi grâce, utilise-moi une dernière fois, redonne-moi la force. Donc Samson était conscient que ses cheveux, que sa force n'était pas... ne venait pas de ses cheveux,
Sa force venait de Dieu. Mais ses cheveux étaient comme son petit point de contact avec le ciel. Alléluia. Alors, dit que cependant ses cheveux recommencèrent à pousser. Dit quelque part, cependant sa soif de Dieu, cependant sa communion avec Dieu, cependant le point de connexion entre lui et le ciel ont commencé petit à petit à revenir. Cependant, même dans la détresse, il a commencé à dire ce que je fais n'est pas bien. Il y a des personnes dont l'ennemi les a bloquées, peut-être dans le péché. Mais dans le fond de ta détresse, toi qui me suis, tu commences à crier à Dieu. Sors-moi de là. Alléluia. Sur le plan spirituel, d'autres sur le plan matériel, quelque chose est en train de croître. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur ce que Dieu a commencé à faire, qui est le déclencheur du Dieu du cependant, de celui qui renverse les situations. Il y a une chose que Dieu a commencé à faire croître. Il y a des choses que Dieu continue de faire bouger autour de vous. Que tes yeux s'ouvrent là-dessus. Que tes yeux s'ouvrent sur les 5 pains et les 2 poissons que tu t'as donné. Que tes yeux s'ouvrent sur cet élément-là de contact, de communion, de relation dans votre alliance, dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur cette dimension dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent sur ce que Dieu fait. Souvent nous voyons ce que Dieu n'a pas encore fait, mais nous ne regardons pas ce que Dieu fait. Souvent nous regardons le fait d'avoir perdu la vision, mais nous ne voyons pas que les cheveux continuent de croître. On voit ce qui ne marche pas, mais on est comme aveuglé par rapport à ce qui marche. La victoire commence par rapport à ce qui marche. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux afin de voir ce qui marche, ce qu'il a prévu. Que malgré l'aveuglement, malgré les difficultés, malgré les larmes, malgré les pleurs, que tu puisses voir aujourd'hui ce que Dieu a commencé de faire. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Que les yeux de ton cœur voient ce que le Père fait, les combats qu'il a déjà menés, les victoires qu'il s'apprête à prendre. Chaque victoire, Dieu l'a déjà obtenue avant qu'elle soit manifestée sur la terre. Que nos yeux s'ouvrent à cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie la bénédiction de la multiplication. Que tout ce que Dieu te donne croisse, se multiplie dans le nom de Jésus. Se multiplie dans le nom de Jésus. Au point de pouvoir renverser la situation dans le nom de Jésus. Ta vie spirituelle, tes finances, ta communion, les choses qui ont de la valeur sont multipliées dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta bénédiction qui est relâchée. Sois béni de la bénédiction de la multiplication. Sois béni de la miséricorde de Dieu. Sois béni du Dieu du cependant. Dans le nom de Jésus. 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 Et l'histoire de Samson te dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu es vivant, quelle que soit l'ampleur de la détresse, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens ont planifié. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tué Samson? Nul ne le sait. Vous avez votre ennemi, vous ne l'éliminez pas. Si Satan ne t'a pas pu te tuer, il a pu te rendre malade, il a pu te fatiguer, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que la grâce, la paix, la faveur, la bénédiction divine soit ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen, 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 alléluia. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Quelqu'un donne un bon amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube.
Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.